Ah, bonjour, je m'appelle Anaï Gajardo. Je travaille à Terre des Hommes Suisses comme conseillère thématique en éducation et plus spécialement comme spécialiste en éducation en vue d'un développement durable. J'ai participé aujourd'hui à l'atelier 5 où nous avons présenté un projet qui s'appelle Les enfants éco-journalistes en Bolivie. Et je pense qu'il y a une idée que j'aimerais partager avec vous, qui me paraît extrêmement importante, c'est celle des compétences citoyennes en EDD, qu'on peut travailler de manière interdisciplinaire et participative à travers la pédagogie de projet, qui est une pédagogie qui a pour objectif de mobiliser les enfants et les jeunes autour d'une réalisation concrète, en les amenant à faire des tâches individuelles et collectives, et à la fois de façon interdisciplinaire. Il s'agit à la fois d'acquérir des connaissances disciplinaires et à la fois des compétences, des savoir-vivre et des savoir-faire et du savoir-vivre ensemble. Donc ça, c'est un petit peu la principale idée, et c'est aussi un petit peu ce que j'aimerais partager, mais j'aimerais aussi ce que je prends. Ce que j'emmène avec moi de cet atelier, c'est vraiment aussi les apports, les échanges avec les autres groupes, les autres personnes aussi individuelles qui ont participé à l'atelier, la richesse des échanges et le fait que c'est hyper important d'avoir des espaces où les organisations, là on était avec la Swiss Academy for Development, il y avait aussi les 1 Million Youth Action Challenge. Il y avait plein de personnes qui étaient connectées, il y avait plus de 40 personnes qui étaient connectées en même temps. Et c'était extrêmement riche de pouvoir avoir ce moment de partage. Et ça, je crois que c'est important de le relever, c'est une des qualités du récit. Merci.